Yo les gars, c'est un moteur 2, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça m'impecte. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode de la carrière manager avec l'RC Lens. C'est le 9e, je croyais que c'était le 10e, je sais que c'était une bêtise, c'est le 9e. On va voir ce qui nous attend aujourd'hui. Après cette. Pas une victoire. Là, ça brasse 2-0. Je pense que j'ai un message, c'est pour que je vais comme ça. C'est pas W42 qui va m'appeler apparemment. Là, on va recevoir le Havre. La fin du mercato, on va rien faire, je pense. On va à Tours. On va à Ajaccio et on reçoit Metz. Attends, bien chéri. Non, c'est pas W42. Regardez, c'est bon. Je vais l'équipe une. Là. Bon, allez les gars, je vais avancer une interview. Je vous dis à tout de suite au stade. Ouais, les gars, je vous dis à tout de suite pour les meilleurs vocasses du match. Alors, les gars, je vous montre les meilleurs vocasses du match. On commence avec Nicolas Pépé qui va s'infiltrer, qui va frapper. Putain, carton, ça pique. Je pense à Minaret. S'ils arrivent à faire un petit crochet qui va marquer. Jamel qui regarde, il frappe la barre sur ce penalty et après il reprend, quel erreur de la défense. Après il est mis dans l'air, il joue littéralement le terrain quasiment. Déjà il n'a plus à jouer quasiment. Regardez, là je frappe, c'est le meilleur repoussé par le gardien. Pardon. Là c'est l'adversaire. Mal cuit, il rate complètement son contrôle et ça va, ça profite à Tomarias de marquer. Là, il remise de la tête, il est tout seul, il marque. Les Duchesse, là, le capitaine, il va vraiment se remettre en question. Christian Lopez qui rate complètement. Mais il va pas baisser les bras juste avant sa sortie. Il va réduire le score, permettant de nous donner encore un espoir à 3-2. Regardez-moi la case, et c'est repoussé par le gardien. Fontaine, à la fin, qui a frappé juste à côté. Franchement, on n'arrive pas en défense. On perd 3-2, regardez les stats, les gars. J'ai dominé. Ouais, non, c'était serré. On dirait, oh, c'est bien, mon 42 reste en champion. Et moi, ça fait des scores plus serrés, des matchs plus serrés. Ouais, mais dans ce match, c'était pas pareil. Du coup, on quatre points d'avance, non. Je pense me remettre en pro. Parce que là, c'était chaud. En plus, on m'a énervé. Putain. Et surtout avec l'équipe bis, là. La coupe, je peux pas mettre l'équipe 1. Contre Tour, je vais mettre l'équipe bis. Parce que je vous explique qu'il y a 2-3 jours de repos et après, voilà, c'est mort. Là, c'est la fin du mercato. Un ailier gauche, j'essaie de voir si je vais pas m'en faire prêter. On achète un, mais du coup, c'est un budget. On va voir. Bon, allez, les gars, je vous dis à tout de suite au stade contre Tour. Bon, allez, les gars, je vous dis à tout de suite pour les meilleures occasions du match de ce Tour Lens. Bon, les gars, je vous montre les meilleures occasions du match. On commence avec Christian Lopez en grande forme qui va ouvrir le score. Putain, pourquoi on fait rien? Là, vous êtes, si vous n'avez pas vu, on vous remontre. Il y a Christian Lopez qui ouvre le score là. Christian Lopez qui va mettre son doublé. Il contrôle, il enroule. Ça fait 2-0, doublé pour lui. Après ça, c'était un centre, mais bon. Belgarde qui va tenter sa chance, en plus ça passe à côté. Encore une fois, ça m'a même pas montré la grosse frappe de Christian Lopez sur la barre. Ça, ça me vient, mais bon, c'est comme ça. Mathias Ossay qui frappe au-dessus. Pour le gardien qui va réaliser un arrêt sur cette frappe pourrie, on va dire, d'Erasmus. Ouais, Erasmus qui contrôle, qui frappe sur le poteau. Ah non, Belgarde, excusez-moi. Là, c'était un coup franc. Là c'est la tête repoussée et dégagée, c'est la fin du match. Victoire 2-0. Regardez-moi les stats là. On a largement dominé là. Avec les petites bises. En champion. Là on aurait pu gagner aussi. J'ai même pas vu le score. Points
avance, c'est encore venir, hein. Oh putain, 2-1, ça va obtenir. Là, il va y avoir le mercato, deux jeux de repos, Ajaccio, et puis deux jeux de repos Ajaccio, et puis deux jeux de repos de Metz. On va mettre l'équipe 1 contre Ajaccio, l'équipe bis contre Metz, et après on va mettre. Équipe 1, ça serait crevé, équipe bis, équipe 1, sans doute, équipe 1. On va mettre souvent l'équipe 1 après. Moi je vous le dis. Voilà. Allez les gars, on se retrouve tout de suite pour. On se retrouve tout de suite, au stade. Ouais les gars, je vous dis tout de suite pour les meilleures occasions, du match. Les gars, je vous montre les meilleures occasions du match. Avec la frappe de Jean-Kevin Augustin, la de Riffy Mandanda, la frappe un peu molle. La troisième ligne de jeu. Ouais, c'est Nicolas Pépi, regardez-moi, il tente ce ciseau qui passe juste au-dessus. C'était bien tenté, mais c'était chaud, ouais, tenté. La Brugeot qui monte. Qui manque carrément sa part. Et Riffy Mandanda qui est encore décisive. Cette frappe de Christian Lopez, qu'est-ce que c'était dur pour nous. C'est faute de Boscanelli, il y avait l'avantage. Duchesne, décisive. Défensivement, et Duchesne, on a été décisif. Nicolas Duchesne, regardez-moi, encore décisif là, sur cette frappe. Bien repoussé. Après, on la sort en corner encore. Ouais, la faute. On voit pas trop là, une petite lumière, ça me casse les couilles. Le penalty, va-t-il aller marquer. John Bostruck qui va tirer. C'est penalty provoqué par Jean-Kevin Augustin. Ah, c'est au fond, même s'il garde bien bon, du bon côté. Il va tirer mi-hauteur et ça rentre. Victoire 1-0 sur les fils à la 80e minute de jeu. Sur un nouveau penalty de Bostruck. Victoire 1-0. C'est un match serré, on a légèrement dominé. En champion, c'est plus chaud. Je sais pas si je vais m'en remettre en pro. Pour ça c'est la fin de l'épisode, j'ai pas le temps de faire un quatrième match. Oh Reims ils ont gagné 5-0. Il reste à 4 points de nous. Putain, ils ont failli revenir à 2 points de nous quand même. On était là à la fin. Merci Augustin sur ses petits exploits quand même. Qui crochette, il passe entre les deux joueurs, il obtient le penalty. Bon les gars, sur ce c'est la fin de la vidéo. Moi je vous dis à plus et peace.